Initiating system 1. System 1 loaded. Et hoyo! Et bienvenue sur l'épisode 88 de Fallout 4. Donc c'est parti. La dernière fois, je vous avais laissé ici, on va dire. Que j'étais en route pour faire, on va dire, rendre les quêtes plutôt. Voilà, donc. Mais avant tout, il fallait que j'y aille dans Domain City pour vendre les affaires que j'avais sur moi parce que je me sens un petit peu trop lourd là avec toutes ces affaires que j'ai récupérées. Donc voilà, donc je vais vendre ça quoi. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Et par la suite, je vais aller rendre les quêtes que j'ai faites là. Donc c'est parti. Enfin, si personne je veux bien. Et nous voilà arrivés dans la ville. C'est parti. Lisez le journal, monsieur. Faites-moi confiance. Salut, Nat. Personne peut faire taire la presse. Ouais. J'ai jamais parlé en fait. Si vous voulez gagner du temps, contentez-vous de répondre oui. C'est tout ce qu'il comprend. Oui. Ok. Oui. Takahashi. T'as que des bols de nouilles, sérieux. Bon. Bref. Je ne sais pas pourquoi on laisse Valentine vivre dans cette ville. Une petite minute. Il sauve une ou deux personnes et tout le monde oublie que c'est un foutu synthétique. Ah ouais. Pas faux. Je vais parler au chef. Vous aidera à rester en vie. Ok. Bon, j'ai quelques minutes pour jeter un œil. N'oubliez pas de faire le plein de munitions. Voilà, j'ai fait une petite affaire. Cela vous inquiète-t-il que l'élite Piper ait peut-être été infiltrée par des synthétiques? Absolument, Piper. Mais c'est pas pour ça que je vais acheter votre journal minable. Oh, eh ben, merci. Enfin, je crois. Tu mérites une correction, toi. Hey. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Hey, Piper. Tenez, ça vous aidera à tenir le coup. Ça a toujours marché pour moi. Merci. Je me demandais où on en était, vous et moi. Pour tout vous dire, je suis au paradis. Ça va, on ne peut mieux, et c'est grâce à vous. Ah, merci. Un avis sur la situation? Vous voulez la liste complète des petits chouchous de l'Institut? Non, ça va. On devrait se mettre en route. D'accord. Ok. Hey. Alors, n'avez qu'un... qu'est-ce qu'elle a sur elle? Ok. Ouais, dire. En fait, t'avais que des armes. Venez faire vos achats sans risquer d'être dérangé. Étoile. Donc, voilà. Regardons la map de mémoire. Je crois que je vais me déplacer. On va me déplacer directement. Enfin, c'est mieux que je. Ah, voilà, c'est là. Tac tac. Bon, je crois que je vais aller au commissariat en premier. Et voilà, nous sommes arrivés. Ok, je vais rendre la quête. Enfin, nous sommes arrivés. Où est l'autre là? Ok, ils sont les deux au même endroit. Ok. Regardez qui voilà. Alors, vous avez nettoyé la zone cible? Oui. Vous avez vraiment besoin de demander? Oui, c'est mon boulot. Voici votre paiement. On reçoit sans cesse des rapports de reconnaissance. Soufflez un peu si vous en avez besoin. Et prévenez-moi quand vous voudrez repartir en mission. Ok, bon, mais. C'est bon pour moi. Bonne réponse. Je vais indiquer l'endroit sur votre carte. On se revoit quand la cible aura été nettoyée. Ok. Si vous croisez des synthétiques, abattez-les. Ok. Allez, moi je parle à elle maintenant. Vous avez l'artefact que je vous ai demandé de rapporter? Oui. Tenez, le voici. Excellent.
Je vais le faire enregistrer et le préparer à l'expédition. Voici un petit quelque chose pour vous dédommager. Je cherche toujours du matériel technologique. Si vous vous sentez capable de repartir en mission, faites-le moi savoir. Ok. Affirmatif. Excellent. J'ai indiqué le lieu sur votre carte. Ouvrez l'œil. Mais c'est pas reparti, on va dire, pour des missions... Voilà, quoi. Bon. Ouais, hop. Je m'en vais là. Ok. Bon, je suis arrivé. Hop. Donc voilà. Donc maintenant, il me reste plus qu'à... parler à Garez et retourner voir Connétable Tegan. Je crois que je vais faire Tegan en premier et après j'irai à la ville voir notre cher ami. Ok. Hop, on va sur le dirigeable. Allez, nous sommes sur le dirigeable. On va rentrer. Ok, on est là. Hop là. Attention, vous mettez les pieds. Ok, okay, je vais monter là. Le pilote de l'Alberde est attendu au poste Epsilon. Pilote de l'Alberde, rendez-vous au poste Epsilon. Ce sera tout. Non, c'est le connecteur, je vais voir. Faites attention. Voilà. J'espère que vous m'apportez une bonne nouvelle. Oui, une très bonne, oui. Oui, la récolte n'attend plus que nos récupérateurs. Beau travail. Je savais que j'avais raison de compter sur vous. Voici vos capsules, comme promis. Si vous voulez rendre visite à une autre ferme, il suffit de demander. Je sais bien que ce n'est pas très prestigieux comme mission, mais... mourir de faim, ça l'est encore moins. Je suis disponible pour du travail supplémentaire. Vous commencez vraiment à me plaire. J'ai une autre ferme pour vous. Ça marche. Je m'en doutais. J'indique la ferme sur votre carte. N'oubliez pas qu'il nous faut leur entière collaboration. J'aime bien comment il soutient en fait leur entière collaboration. Oh my god. Allez. Salut chevalier. Pensez toujours à mettre une. C'est vrai qu'on en aurait appelé là-bas. Ouais, bonjour. Donc voilà, j'ai fait ces quêtes, je les ai rendues. Quoique j'aimerais bien que faire des autres quêtes que ça quand même. Donc ça je vais rentrer voir Garvey pour lui dire que c'est bon. Ça c'est le docteur Marie. Vladimir, ça c'est dans la ville. Ça c'est dans la ville. Ok, sur les chemins de liberté. Ok, on va sortir de la parole là. Ok, alors... What? Putain, ce qui est Captain Kell, c'est pas... Je vais quand même voir, on sait jamais. Captain Kell... Ah, il est en bas, ok. Ah, mais peut-être que je vais pouvoir... Ah, mais la quête, enfin, je vais pouvoir la rendre. Il fait du... Attendez, chevalier. Je tiens à éclaircir un point. En tant que membre de la confrérie, vous servez sous mes ordres. Si vous voulez que je vous respecte, vous allez devoir le mériter. Quand je vous confie une mission, j'attends des résultats. Est-ce bien clair? Ok... J'ai reçu des ordres de l'aîné Maxon, capitaine. Et ils constituent bien évidemment votre priorité. Mais vous devez m'obéir à moi aussi. Le paladin Dance m'a déjà parlé de votre recherche des éclaireurs portés disparus. Je veux que cette affaire soit résolue. Avez-vous un rapport à me faire?
Il y avait un survivant, le paladin Brandis. Brandis a survécu ? Où est-il ? Je me fais du souci à son sujet. Il est paranoïaque et clairement instable. Ça ne me surprend pas. Tout ce temps passé seul a dû finir par l'affecter. Est-ce qu'il peut réintégrer la confrérie ? Peut-être. Il devra être placé en observation médicale. Il lui faudra peut-être des mois ou des années avant de pouvoir reprendre du service. Peut-être même qu'il n'y parviendra jamais. Mais son expérience de la survie en milieu hostile et sa connaissance du Commonwealth nous seraient tout de même extrêmement utiles. C'est une cause perdue. Il a tourné le dos à la confrérie. Un paladin brisé ne nous sert plus à rien. Mieux vaut l'oublier. Très bien. Là, je refuse l'autre, bonsoir. Il y avait autre chose ? Vous voulez le Roloband ? Merci. Je veillerai à ce qu'elle soit remise à leur famille. Comment est-ce que la confrérie va les honorer ? Ils ont tenté d'accomplir leur mission avec courage. Et ils se sont battus avec honneur dans l'adversité. Ils ont vécu et ils sont morts ensemble, comme des frères. Voilà ce que ça signifie de faire partie de la confrérie de l'acier. Ok. Trois, c'est tout. Ok. On a choix, non ? Non ? Droite, gauche, en bas ? Bon. Mais ils seront en bas. C'est tout. Je vais rédiger un rapport détaillé pour l'aîné. En attendant, permettez-moi de vous offrir une nouvelle armure. Portez-la avec honneur. Placeron de l'armure... J'en ai déjà une sur moi, mais merci. Ce n'était pas une mission facile, chevalier. Beau travail. Et maintenant, j'ai une affaire pressante qui requiert toute votre attention. J'ai reçu des rapports signalant la disparition de matériel de notre dépôt à l'aéroport. Je soupçonne que le coupable est l'un des nôtres. L'un des nôtres ? Vous avez des suspects ? On parle de trahison. Dans ce genre d'affaires, tout le monde est suspect... jusqu'à ce que le coupable soit identifié. Je veux que vous vous chargiez de cette enquête. Allez voir le sergent chevalier Gaville à la base. C'est lui qui dirige la division de logistique. Il vous présentera son unité et vous parlera du dépôt. Ensuite, vous mènerez votre enquête comme vous l'entendez. Si vous découvrez quoi que ce soit, venez me le dire personnellement. C'est bien clair ? Ok. Est-ce que je dois conduire mon enquête en secret ? C'est trop tard pour ça. Les rumeurs vont déjà bon train. Le sergent Gaville et son équipe s'attendent sûrement à votre visite. Votre tâche risque de n'en être que plus difficile. Le coupable aura le temps de se préparer. Y a-t-il autre chose que je dois savoir ? Gaville vous donnera les détails. Mais de mon point de vue, le plus étrange, c'est ce qui a été volé. Des rations, rien de plus. Je ne sais qu'en penser. C'est pour le moins curieux. D'autres conseils, capitaine ? Ne négligez aucune piste et intéressez-vous à tout ce qui vous paraît suspect, même si ça vous semble insignifiant. Mais attention, une accusation de trahison est d'une extrême gravité. Si le coupable est bien un membre de la confrérie, j'aurai besoin de preuves pour pouvoir agir. Okay. D'accord. J'attends des résultats. Ne me décevez pas. Vous pouvez disposer. Wow. Ok, d'accord. Bon, au moins ça, c'est une gentille mission, hein ! Ok, donc il faut aller en bas, si j'ai bien compris. Je ne même pas sauter, là je suis pas en armure assistée, mais bon, j'aurais bien sauté, mais bon. Bon, c'est pas grave, donc voilà, ok, ça c'est fait. Apparemment, il y en a un qui s'est fait. Je vais aller à Green Top en premier. Est-ce que ça a une. Vous avez pas encore découvert cet endroit ? Ok. Ah bon ? Je pensais l'avoir trouvé. Bon, mais d'abord, je vais à Sanctuary. Je rends la quête. Mais quand j'étais jeune, les gens m'appelaient Murphy l'Indomptable. Ok. Ok, je suis arrivé. Attention. Échange avec Piper. Ne faites pas attention au bazar. Vous avez du mal à marcher. Voilà. J'ai récupéré.
récupéré pas mal de choses là. Je vais devoir ranger les armes. Ok, ça c'est rangé. Toc toc toc. Ok. J'espère que vous venez pas chercher les ennuis. Je veux juste faire un échange. Bien sûr. Échangeons des objets. Entendu. Epic fail. Voilà, je l'ai bien fait cette fois-ci. Il était à poil le coup. Toc toc, y'a personne là, ok. Ok, j'ai fait un peu de rangement, je me suis un petit peu défaussé d'affaires. Attends, mais je suis toujours si lourd, c'est quoi ce truc? Ah, c'est vrai que j'ai encore des équipements. Y a-t-il quelqu'un qui a pas un torse quelque part là? Par ici, ça a l'air il faut de prendre les choses les unes après les autres. Je veux juste échanger quelques trucs. Allez-y. Ok. Désolé, mais je ne serai pas de très bonne compagnie là. Échangeons des objets. Échangeons des objets. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir perdu quelqu'un, mais il me manque tellement. Je peux te comprendre. Agriculture, c'est un travail honnête. Ok, ça c'est fait. Bon, pourquoi ils ont tous une armure? Ça, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Ok, oui. La caravane qui vient de chez moi, ça c'est pas mal. Je crois pas qu'il y a d'autres mecs pour l'instant. Salut Toutou, toi. Ah, bah ouais, il n'y a qu'une seule niche. Hein. En fait, avec. Je crois que les armures, je vais les ranger là.
Ah, c'est bien que j'avais un truc. Je vais faire un petit peu de réparation, non, plutôt de craft. Je reviens. Ok, voilà. Ah, c'était long. Je vais voir quand même pour les armures si j'ai quelque chose à améliorer. Vite fait. Ok, ça c'est fait. J'ai vu que j'avais monté un niveau. Donc je vais mettre le petit point. Donc quoi je pourrais ajouter? Je vais améliorer ça. Là, comme ça au moins ça c'est fait, je pourrais améliorer à fond mes armes de flingue. Donc ça c'est bon, tac tac, ok. Je vais faire une petite pause, je reviens après. Donc voilà. J'ai oublié de voir Preston, donc je vais aller voir. Enfin je sais pas où il est passé. Preston, où est-ce, à toi là-bas. Le petit Preston, il est dans le coin là. Pas. Vraiment sur la même carte, jamais. non. Ah là-bas. Au moins il ne pleut pas. Bonjour. Ok, bonjour. J'ai neutralisé les super mutants. Les habitants de la colonie sont soulagés de ne plus avoir à s'en inquiéter. C'est génial. Les civils n'ont aucune chance contre les super mutants. Je vous préviendrai si j'entends parler d'une colonie qui a besoin de nous. Profitez-en pour proposer de l'aide à tous ceux qui en ont besoin. Ça ne peut que servir notre cause. Ok. Voilà. Pardon. Il y a une autre colonie qui a besoin de notre aide. Okay. On dirait qu'ils ont affaire à des pillards. C'est l'occasion de montrer à tous que l'union fait la force. Ok. C'est tout ? Je peux faire quelque chose pour vous ? Comment vous vous sentez ? Ravi de pouvoir vous renvoyer à l'ascenseur, après toute l'aide que vous m'avez apportée. Dites-moi si vous avez besoin d'autre chose. Non. Rien. D'accord. Ok, voilà... Et je pense que je vais m'arrêter là et continuer dans notre épisode les aventures. Donc voilà, c'était Gunshow. Bye bye!